Bonjour à tous, ici Alex du Québec pour un autre test, partie 4 sur Parasite F2, un jeu édité par Squaresoft, sorti sur PlayStation 1 en 99-2000, et puis nous allons commencer où ce qu'on était à la fin de la partie 3, et j'ai trouvé la clé bleue qui va faire ouvrir la porte où ce qu'il y avait le policier mort, et voilà. Nous allons continuer immédiatement. Et voilà. Nous avons ouvert la porte qui était scellée ou l'ascenseur. Nous allons y aller immédiatement. Et voilà, ici il y a des notes. C'est pour voir les caméras. Et oui, c'est très sombre. Et voilà, la machine à liqueur. Oh putain, c'est mon ami, le policier. Et voilà. Oh putain, il y a un ennemi ici. Et voilà. Sortons de là. Bon. Je vais me dépêcher. Et voilà. Superbe jeu, encore une fois. Édité par Squaresoft. Les dieux. Les dieux des jeux. Et voilà. Petite fontaine. Super bien fichue. Et voilà. On va aller par ici. Et voilà. Oh putain, je crois qu'il y a un ennemi. Eh oui. Prends ça, connard. Allez, connard. Et voilà. J'ai tué ce con. Pas trop long. Et voilà, l'escalier. Super bien fait, je trouve. Rien à dire. Ce jeu, il est excellent. 10 sur 10. Oh putain! Et voilà, prends ça, connard! Oh putain, il y en a deux. Avec le carré, on peut auto-targeter notre ennemi. Oh putain. Et voilà. Super bien fichu encore une fois. Et voilà. Pas de loading pendant le combat. C'est super bien fait. Oh putain, une machine à Coca-Cola. Elle est vide. Évidemment. Et voilà. Ah, il y a un garde ici. Je vais le fouiller. Et voilà, je viens de trouver ma première armor. Je veux dire, mon gilet pare-balles, un body armor. Et voilà, je vais l'équiper immédiatement. Oh putain. Et voilà, avec select. Oh putain, c'est la map ça. Bon, avec start, je vais équiper mon gilet que je viens de recevoir. J'avais un petit côte de cuir. Je vais équiper le body armor. Il me donne plus 50 en HP et plus 10 en MP, puis plus 7 en attaque. C'est super plus bon. Et voilà, j'ai équipé ma veste. Oh putain. Et voilà, nous allons continuer. Et voilà. Comme je le disais à tous, ce jeu est super bon. Je le conseille à tout le monde qui n'ont pas joué à ce jeu ou qui ont joué à ce jeu. Mais oh putain, il y a des gros ennemis là-bas. Je crois que je vais me faire niquer par ces deux cons. Oh putain. Assez affreux, assez énorme. Véné. Bon, je vais tuer ce con. Et voilà. Je vais faire une magie. Et voilà, 142. Et voilà, ce con est mort. J'en ai un autre à buter. Et oui. Putain qu'il est dégueulasse. Putain. Et voilà. Magie. Oh putain, il y a des bras élastiques, ce con. Et voilà. Prends ça, connard. Un coup de 21. Putain, il va me niquer. Et voilà, ce con m'a niqué. Et voilà, j'ai tué ce con.
Et voilà, assez payant en expérience, 304 points d'expérience, c'est superbe. Et oui, j'ai choisi tout. Oh putain! Je vais aller vérifier ici. Et voilà. Super bien fichu encore une fois ce jeu. Oh putain! Notre pote est en train de se faire tuer par je sais pas quoi là, un malade. Oh putain, super bien fichu. Et voilà. J'ai retrouvé mon ami. Et oui, il est blessé au bras gauche. Putain. Allez, donne-moi ton flingue là. Parce qu'il y a un super bon flingue. Mais moi, je commence avec un flingue de marde. Au fur et à mesure que je vais avancer, je vais accumuler des points. Et ensuite, je vais pouvoir upgrader mes armes. Et oui, le fun de ce jeu, upgrader nos armes. Pour les mettre plus puissantes. Et oui. Et voilà, il y a une clé sur le plancher. Je vais la ramasser. Immédiatement. Allez, putain. Et voilà. Il y a une clé. Et voilà. J'ai trouvé la clé rouge. Je vais continuer immédiatement. Je ne sais pas s'il y a de quoi ici. Et non, c'est une petite chapelle. Une petite église. Et voilà. Nous allons ressortir. Oh putain! Des petites chauves-souris, je crois. Je vais les buter. C'est connasse. Et voilà. On connard. Le petit rat qui empoisonne. Voilà. Oh putain! Et voilà. J'ai tué ces cons. Oh putain, il y a un autre garde ici. Je sais pas s'il y a un objet sur lui. Oh putain! Et oui, une nouvelle arme. Une submachine gun. Une sulfateuse. Et oui. Et voilà. Je vais l'équiper immédiatement. Oh putain, je me suis trompé encore de piton. Et voilà. Use les armes. Comme arme, j'ai un petit bâton de merde. Mon pistolet ordinaire. Et mon submachine gun. Et voilà, je viens de l'équiper. Ça devrait plus déchirer quand je vais tuer mes adversaires. Et voilà, je vais me dépêcher. Oh putain. Et voilà. Je vais aller par ici. Oh putain. Et voilà. Oh putain! On est entouré de cons. Et voilà. Je vais tuer ce con. Dans sa connard. Et voilà. Il a un autre ici. Désolé. Oh putain. J'ai plus de magie. Dans sa connard. Et oui. La machine gun, on peut tirer à l'infini. Super bien fichu. Oh putain. Et voilà. Prends ça, connard. Super bien fichu. Et oui, j'adore ce jeu. Et voilà. Nous allons retourner. Faut retourner sur nos pas. Je vais vérifier sur la map. C'est pas ce piton. C'est ce piton. Et voilà. Le sanctuaire. Oh putain, j'ai manqué des portes, moi, là. Je crois qu'il faut que j'aille. Je suis pas sûr. Il faut que je retourne sur mes pas. Et voilà. Je vais retourner immédiatement. J'ai trouvé une clé rouge. Et puis, je crois que c'est par l'autre côté. Et puis, ça va être la fin de la partie 4 sur Parasite Eve 2 sur PlayStation 1. Un jeu édité par Squaresoft, sorti en 99-2000. Je vous remercie à tous. Je vais continuer de faire des parties de ce jeu parce qu'il est excellent. Et je vous laisse sur ces images. Et à la prochaine!